Bonjour, bonjour à tous, yeah, c'est le Viking, on se retrouve aujourd'hui sur Planète Zoo, le petit polaire. On continue avec une construction extraordinaire, puisque la mise à jour nous a permis de faire, enfin d'avoir des tableaux, des écrans, et j'ai fait un truc, nous sommes en live, bonjour à tout le monde, bien évidemment. J'ai fait un petit truc, bon ça déborde, c'est pas positionné parfaitement, hein. Oh c'est bugué même surtout. Alors c'est peut-être pas les bons, faut que je les supprime. Eh, attendez, regardez. Oh, admirez. Boum. Regardez ça. Regardez-moi ça. J'ai juste filmé le ciel de Planet Zoo, comme ça on a un truc qui ressemble... Voilà, c'est vrai, hein. Il y a la petite lune qui est ici. Bon, après, j'ai essayé d'associer, mais bon, il y a des moments où ça l'est, il y a des moments où ça ne l'est pas. Et on a ajouté deux écrans ici avec une continuité d'aurore boréale. Regardez ça. Là, c'est bien associé et tout. Bon, il y a la délimitation des écrans, mais bon, voilà, quoi. Eh. Incroyable, hein? Non, mais... Bon, c'est sûr, avec une vraie vidéo, ce serait encore plus stylé. Mais bon, on est dans un jeu. C'est pas mal, hein? En vrai. C'est pas mal. J'aime bien. Après, c'est sûr, encore une fois, si tu prends une vraie aurore boréale, une timelapse en vrai, etc., c'est beaucoup plus joli. Mais, par contre, on a des soucis ici, hein. Il y a tout le monde qui est en train de décéder. Hein. Mais en vrai, ça rend classe. Ça rend classe. Voilà. Si tu passes comme ça, tu... Bon, c'est dommage, les délimitations. Mais bon, associer les écrans avec le même truc, bon, est un peu galère. On va pas se le cacher. On va pas se le cacher. Mais non, mais je suis pas mécontent. Ça rend bien, en plus, ça éclaire un peu. Voilà. Voilà, voilà. C'est vraiment top, c'est beau. Amazing, grave stylé. C'est que c'est joli pas ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, du coup, la suite. Alors, déjà, on va mettre en plein jour, histoire qu'on puisse voir quelque chose. Ah, les yeux qui sont pétés. On va regarder aussi, parce que là, il y a des soucis. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici là? Animal a faim. Mais pourquoi vous avez faim? Mais il n'y a pas à manger, non? On serait en clou, là? Les gens ne s'occupent pas de vous, là? Hein? J'appelle tout le monde. Il y a 13 rennes au bout du rouleau. Il y a un macaque qui est mis... Ah, bah, pardon. Bon, après, toi, t'es censé... Enfin, t'étais pas censé être là, surtout. Hein. De base, hein. Bon, ça se fait... T'as mis à manger, hein? Il y a ce qu'il faut pour manger dans cet enclos, là? De toute façon, avec ou sans, ils sont censés mettre à manger par terre, quoi. Les employés se plaignent. On s'occupera de ça après. Hein. C'est pas le but. Hein. C'est pas le but. Bon, alors, là. En même temps, je vois rien pour manger. Hein. Oh, bah, petit pépère. Vas-y, traverse. Non? Oh, tu bois. Oh, c'est beau. Oh. Oui, oui, sous le hangar avec des grattoirs, etc. Il y a une fuite. Il y a une fuite. On a une fuite. Un animal s'est échappé. Bon, ça va, ça... Il y a personne qui panique. Son bien-être est faible. Bah, fallait pas partir aussi. Du coup, les petits s'enfuient. Les petits s'enfuient. Et ça, c'est un petit peu dommage. On va pas se le cacher. Il y a un autre bébé, là. Est-ce qu'on a un autre bébé dans l'enclos, là? Enfin, attendez, comment on ouvre l'enclos? Enfin, comment on a accès à l'enclos, là? Ça va, animaux? Toi, t'es là. Fais voir, point de fuite. Les petits s'enfuient. Ah ouais, les petits, ils ont des points de fuite, dis donc. Bon, après, point de fuite là, mais ils sont bloqués par... sont bloqués, quoi. Ah non, là, il passe en dessous. Ah ouais, il est passé là, en dessous. Ah ouais, c'est sûr. Ok. Ici, point de fuite aussi. Mais c'est la route qui est pas pile-poil positionnée. Ça, c'est... c'est normal. Après, dans l'absolu, si c'est que ça, c'est pas très grave. Si c'est que ça, c'est pas très grave. Ok. Bon, donc là, il faut qu'on augmente la hauteur des cailloux. Ah mais attends, ils sont tous en train de se barrer. Ils se sont pris pour des phoques. Eh, hop, 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 les gars, là, on part pas, hein. On ne part pas, c'est finito. Finito. J'ai pas de rivière comme Brian a fait. Hein? Quoi? Quoi?
Ça, biome. Taïga, toundra. Continent. Europe, Asie, Amérique du Nord. Alors, on bloque. On bloque le passage. Oh non, malheureux, tu n'as pas le droit de t'en aller. Tu n'as pas le droit de t'en aller. Je sais, c'est triste. Je sais que tu rêves de partir, mais. Mais sois heureux chez moi. Sois heureux, mon grand. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Je peux pas. Je peux pas me permettre de te laisser partir. Il y a des méchants dehors. Hein. Je te protégerai coûte que coûte. Coûte que coûte, mon grand. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, ça enlève un peu le côté low pass. Mais bon, ah, après, si, quand même, hein, low pass. Hein. Low pass, oui. Low pass. Parce qu'il y aura une image avec le DLC sur U4, d'ailleurs, il sort le 27 avril, il me semble. Ah, merci pour l'info. Alors, bah oui. beaucoup trop intéressant, cette information. On l'apprécie, on l'apprécie. S'il sort le 27 avril, ça sent la série. Hein. Ça sent la série. Alors, la série. Qui sera probablement du coup sur la chaîne secondaire, hein, je reprécise. On verra à ce moment-là, parce que c'est pas un jeu qui ne marche pas sur ma chaîne, donc bon. Mais normalement, ce sera sur la chaîne secondaire. Excusez-moi, messieurs, dames, oui, excusez-moi, pardon, hein, pardon, pardon, Agathe, Agneta. Agneta, t'as pas le droit de partir, quoi. Agneta. Regarde ça, il se barre, le chacal. Dis donc, là. Attends. Arrête ça, lui là. Oh, il est heureux. Non? Bon, peut-être pas tant que ça. Bonjour Pablo Prod. C'est vraiment l'histoire de fuir car c'est des princes dans cet enclos. Ouais, mais c'est ça qui est presque un peu dommage en vrai. Dans le jeu. Ça, je vais quand même me décaler parce que du coup. Voir le supprimer quoi. Parce que du coup, c'est plus associé à la route. Mais c'est dommage que ça vole, quoi. C'est ça qui est un peu dommage dans le jeu, c'est que s'il y a un point de fuite, ils cherchent à le prendre plutôt qu'à vivre là où ils sont, tu vois. Enfin bon. Bref. Bref. Mais une grille. Ah ouais, une grille. C'est vrai qu'on aurait pu mettre une grille. Ah ouais, ça... Oh, pardon. C'est vrai qu'on aurait pu mettre une grille. Ah mais attends, je vais faire ça. Ah ouais, je vais faire ça. L'idée est bonne, mais je vais la mettre en dessous. Je vais la mettre en dessous. Comme ça, l'eau circule. L'eau circule. Mais... Bon, je mets pause parce que... J'ai eu un... Merci beaucoup, bienvenue Nazmar. Bonjour Lucien. C'est quoi le jeu? On est sur Planet Zoo. On est sur Planet Zoo. Alors attendez. Personne ne revient du Valhalla ou je comprends pas. Comment? Quoi? Je comprends pas non plus ce que tu dis. Je vais mettre ici. Non, non. Je vais mettre ici. Oh non, j'ai supprimé le truc. Comme ça. Et là, normalement, toi, je peux te décaler. Non, c'est pas ça, je me plante. Voilà, très bien. Très bien. Si, si, c'est bien. Après, tu me diras. Bon, après, tu me diras, je peux enlever ça. Hein. C'est pas mal en vrai. J'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée.
Je comprends pas ce que tu dis. J'ai pas compris, Lucia. Tiens, tiens. Comment? J'ai bugué. Ok, bon, ça c'est fait. Les gens sont au bout du rouleau, mais tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ça se passe parfaitement. Alors, objectif, je ne sais pas. Objectif ici, hein. De toute façon, il faut finir. Il faut finir. Je suis obligé de finir. Pardon, hein. Je sais que peut-être que vous attendez qu'on avance, mais si je finis pas, je ne le finirai jamais. Si je finis pas, faut que je le finirai jamais. Tu vois là? J'ai le OK. OK, bon, on va mettre des plantes. On va mettre des plantes, on va finir de décorer le coin là. On va finir de décorer le coin là. On est bon au niveau des filtres là? Parce qu'il n'y a plus rien à indiquer là du coup. Biome, taïga, toundra, Amérique du Nord, Asie, Europe. Ya ya, très bien, très bien. Je répondais à notre tête. Ah, pardon. Ah oui, d'accord. Okay, c'est peut-être pour ça que j'ai pas compris. C'est peut-être pour ça que j'ai pas compris. Merci de préciser. Alors, ici. Tac. Mettre un petit peu de plantes là. Un petit peu de plantes comme ça. J'aime bien l'idée. Voilà, un petit peu de plantes. Tiens, tiens. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Est-ce que je peux mettre. Ouais, j'ai envie de mettre ça. J'ai envie de mettre ça. Parfait. Parce que là, il faut qu'on densifie certaines zones, mais pas d'autres. Il faut qu'on fasse ça aussi proprement. Je vais faire ça. Non, 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 reste concentré sur la même chose. Reste concentré, tu t'éparpilles. Oh, j'ai envie de mettre un petit champ de chardon. Le chardon? Le chardon bleu, là. Un petit champ de chardon bleu. Chose qu'on ne fait jamais. Je ne sais pas comment rendre ça joli. Mais on ne doute pas que ça le sera. Parce que les plantes sont belles. Les rennes, ils en mangent de ça, non? Oh, c'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou. Comment rendre ça beau? Comment rendre ça beau? Est-ce que quelqu'un a une inspi? Est-ce que je pourrais ajouter ça, mais c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Parce que le problème, c'est qu'ils sont très écartés les uns des autres. Et ça me gêne, personnellement. Et du vernis sur le sabot. J'ai pas osé faire la blague. J'ai pensé au renne, moi. J'ai pensé au renne et j'ai pas osé. Fallait que quelqu'un la fasse, merci beaucoup. Au moins, c'est pas de moi. C'est lequel le gros là? C'est pas lui. Attendez, il n'y a pas un gros là? C'est lui le gros là? Non. Si? Attendez, attendez. Non. Bison de Manzanita. Bison de Manzanita. C'est lequel du coup? C'est un B. Boulot? Buisson à saule. Ah oui, c'est là. Ah ouais, d'accord, ok, je l'avais pas vu. C'est ça que je vais mettre plutôt. Merci beaucoup, bienvenue, Martin! Bienvenue, bienvenue. Oh, tu me diras, ça densifie tellement, c'est trop bien ça. J'aime ça. J'aime ça. Voilà, c'est bien ça. C'est très bien ça. Ouais. Ouais. Boum, on pose. Boum, on pose. Voilà, très très bien. Bravo mon ami. Pardon. Comme ça. Ouais, c'est bien. Du coup, ouais, tu peux chanter les épées du Randil? Je peux.
Je peux, évidemment. Évidemment, je peux. Est-ce que vous en avez l'envie? C'est ça la vraie question. Mais... Non, parce que ma voix risque de vous faire pleurer. Dans quel sens, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle risque de vous faire pleurer. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient encore des karaokés sur Twitch. Hein. C'est fou, ça. Ça me perturbe. Comment ils font? Enfin, pourquoi? Comment ça se fait qu'ils ont le droit? Pourquoi? Je sais pas. Le jeu a la faculté d'être beau, même quand on fait des trucs qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Tu vois? Parce que c'est plein nord. C'est plein nord. Et dans notre zoo, c'est pas la mousse qui se développe plein nord, c'est des buissons de sauge blanche. Je crois qu'il fait des enclos aussi ou c'est les décors du zoo? Non, c'est que les décors parce que les enclos, bon, j'en ai déjà fait plein. Et l'avantage du coup, c'est que ça permet vraiment de. Bah, c'est vos enclos. Vous prenez le temps de les construire, de les décorer, de les. Voilà, faire des trucs propres quoi. Beaucoup plus que ce que je ferais moi parce que je prendrais pas autant de temps. Et le temps que je ne prends pas dans les enclos, je peux le prendre à décorer autour. Et ça fait du bien en vrai. Moi je vous le dis. Commence à avoir quelques heures sur le jeu, et c'est vrai que faire que des enclos, bon. Hein, ne sachant pas construire des bâtiments, et n'ayant pas l'envie d'apprendre non plus à construire des bâtiments, c'est vrai que... C'est vrai que c'est plaisant. De pouvoir se concentrer sur la déco autour. Pas ce que je voulais faire. Bon, écoutez. Il y a un choix d'enclos ce soir. Je peux pas te dire, en vrai, je peux pas te dire. C'est le souci. C'est le souci de cette aventure, entre guillemets, c'est que... Bah, ça prend du temps de décorer, hein. Proprement, ça prend du temps. Le truc, c'est que si je le fais pas, je le ferai pas. Et si je le fais pas, bah, du coup, je pose que vos enclos. Et du coup, vos enclos seront jolis, mais pas dans un univers sympa. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'essaie de prendre le temps de faire ça. Histoire de décorer et de vraiment rendre honneur à vos constructions. Tout simplement. J'ai fini 60e en dominant du tournoi, c'est bien. Dominant? Dominant, c'est numéro... Enfin, c'est le top, hein. Ouais, c'est prédateur dominant. Bah oui, c'est bien. De toute façon, quand t'es dans le top 100, c'est très bien. Tu débloques l'espèce, donc... Clairement, c'est très bien. Voilà, ici, ce sera la... Ce sera ça. Le buisson de bussereau, là. Entre les rochers. Entre les cailloux. Ici, je vais mettre un buisson de manzanita, là. Je vais le mettre comme ça. Je vais le descendre quand même un cran. Comme ça, très bien. Bonjour Croque-Mou. Oh, Croque-Mou, incroyable. Dragon. Dragon, ça fait longtemps. Hein. Je n'en ferai plus. Hein. Je reprécise. Dragon, l'envol de Berk. Sympa le jeu, mais... En autant de temps que Jurassic World le jeu... Ça comme ça, voilà, des petites fougères au pied. Des petites fougères au pied, pourquoi pas. Bon, et globalement... Ah, ici, ce qui serait bien, je pense que je vais le faire, mais à voir si ça passe. Ici, ce qui serait bien, c'est de cacher la vue derrière, en fait. Il me faudrait un truc bien dense. Bien dense. Un truc bien dense. Et j'ai une petite idée. Alors, est-ce que ça a passé? Je sais pas. Mais j'ai une petite idée. Pour rendre le truc bien dense. Pour pas qu'on ait la vue sur le fond, quoi. Ah non, c'est pas... Ça, c'est trop gros, évidemment. Bon, bah, mon idée n'est pas bonne. Couche un orme. Ah bon. Couche un orme. Est-ce que je vais avoir l'espace?
Attends, un orme. Y en a pas. Comment tu l'écris, orme? Avec un accent? Non. Avec un H? Non plus. Y a pas de orme. Il n'y a pas de orme dans le biome que je fais. Enfin, dans les contraintes que je me suis fixées. Mélèze. Pin sylvestre. Bon, sinon, je vais mettre full pin sylvestre. Le pin sylvestre, il a l'air un peu dense. Et pas trop, trop large. Lui, il est gros, quand même. Je pense que je vais mettre les pins sylvestres. Essaye de mettre des statues d'animaux arctiques, si tu trouves. Ouais, on va en mettre, mais c'est pas bête. Parce que j'ai pas pensé en mettre, mais c'est vrai qu'on pourrait en mettre sur les routes. Clairement. Bah voilà! On me dit si t'as des idées de construction, des besoins ou autre. Voilà. Si vous me faites des petites statues, vous savez, comme les statues qu'il y a avec le DLC aquatique là, où tu vois les phoques et tout qui forment une fontaine ou autre, ou juste un pilier, tu sais, avec posé au-dessus un pingouin ou un truc comme ça. Voilà. Libre cours à votre créativité. Vous avez l'idée, et je les poserai de temps en temps sur la route, sur le bord de route. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Je pense que je vais mettre comme ça. Est-ce que ça va être suffisant? Je ne sais pas. Mais ce que je peux faire à la limite. Je vais décaler le plus possible. C'est pas trop mal. Je vais ajouter les buissons de machin là, au pied. Pour continuer d'amener de la densité. Avec un autre style encore. Ça donne quoi? Certains un peu plus haut. Ouais, bah j'ai mis. J'en ai baissé certains. Ok. Bon, et c'est très touffu, mais c'est vraiment pas un endroit où. Mais c'est vraiment le côté. Tu vois, plutôt que de voir le fond, au moins on voit pas quoi. On va voir cette grande plaine là qui sort de nulle part. C'est pas mal. À différentes hauteurs, ça pourrait être chouette. Ouais, c'est. Bah, c'est fait, regardez. Lui est plus haut, lui est plus bas, lui est un peu plus haut. Pas du tout, peut-être pas, hein, tu diras. Si, il est un peu plus haut. Si, c'est mis. Hein. C'est mis. Après, si je mets trop bas, ça cache quoi. Enfin, ça cache pas du coup. Non, c'est bien. J'aime bien. Ton zoo est vraiment stylé, c'est ouf. Merci beaucoup, Martin. Bon, après, on est au début, hein. On est au début, hein. T'es un nordique? Ah, on ne peut pas faire plus nordique, hein. Ouais, je suis du nord. De là à parler de nordique scandinave, on n'y est pas, mais je suis dedans. Alors, fais voir un petit peu comment j'ai densifié ici, là. J'ai mis quoi, là? J'ai mis le buisson de sauge. Ouais, ok. C'est là, en vrai, que je voulais voir. Un buisson de saule. Buisson de sauge. Les plantes qui sont naturelles, et ici, buisson de sauge encore. Donc, on a mis des buissons de sauge. Et ben, ça va être mis. Go. Hop. On densifie le coin. C'est la déco, on l'en veut. On veut que ça décore. Que ça remplisse, qu'on se retrouve pas ici en se disant, c'est vide derrière. Non, non. On veut que ce soit rempli. On veut que ce soit rempli. Ouais, très bien, comme ça, c'est très bien. Comme ça, c'est très bien. Buisson de manzan... Non, après, mollo, mollo. Mollo, mollo. Du lichen, c'est invisible, quoi. On le voit pas, le truc, hein. Ça sert à rien. Je vais mettre des fougères, je pense. Je vais mettre des fougères. On va voir sur le workshop, je t'ai ajouté quelque chose. Ça marche, je vais aller voir après. Je finis juste ce coin-là et je vais aller voir après. Fougère. Fougère. On ajoute des fougères.
On essaie. Ah, la fougère qui se barre. La fougère s'est dit, j'en ai marre d'être enfermé aussi. Moi, il n'y a pas que les animaux qui ont le droit de s'enfuir. Moi aussi, je tente. Je tente l'expérience de découvrir le monde. De partir à l'aventure. Je vais essayer de rien mettre... Enfin, pas trop mettre en dessous de l'arbre. Je rajouterai après des plantes au milieu. C'est pas mal, en vrai. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de pousser le truc aussi loin? Est-ce que ça va pas faire ramer au bout d'un moment? Je ne sais pas. C'est des fougères. On va pas ramer à cause des fougères, quand même. Ok, très bien. Très bien, très bien. Je vais ajouter celle-là, parce que je l'aime bien. Je l'aime bien. Elle amène une forme un peu différente. Ça casse un peu la forme fougère qu'on a posée. Et je vais ajouter... le titre. La fougère visionnaire. T'as mis le viking dans la description? Ah oui. Je vais aller voir, hein, je vais aller voir, je vais aller voir. Je vais aller voir. Ah ouais, bah attends, bah, ça c'est très très grand, disons, c'est inattendu. Effectivement. Non. Non. Non, j'en veux pas. Bah, peut-être celui-là, mais plus bas encore. Ouais. J'aime bien le côté voir la pierre ici. J'aime bien. Mais c'est lequel celui-là, là? Non, c'est pas lui. Je suis où? Ouais. Sont... Ah bah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On va le poser. On va le poser. Descends-le. Comme ça. Et je vais en mettre un là aussi. Voilà. Ici, c'est densifié. Là, il n'y a rien parce que... voilà. Très bien. Très bien. Salut, Noctaz. Tu préfères les loups gris ou les loups arctiques? Honnêtement, aucune idée. On va enregistrer sur celui-là. J'ai pas assez vu le loup arctique pour... j'ai pas assez joué avec. Alors c'est quoi du coup la construction? On va aller checker ça. On va aller regarder ça. Attendez, je vous montre. Tac. Ici. Alors, est-ce qu'elle est dispo? Cette petite construction. Tête en pierre de loup. Ok, c'est pris. C'est pris, c'est pris. On va aller regarder. On va aller regarder. Excellent, excellent. C'est pris, là? Oh, c'est en train de se télécharger. Ça y est, c'est téléchargé. Ok. Salut, Shinshimur. Ça va, mon gars? ça va. Merci beaucoup. Tout va bien. C'est grand? Ah bah écoute, on va regarder. On va regarder ça tout de suite. Puisque c'est une déco qui peut potentiellement être utilisée dès maintenant. Ah oui, c'est grand. Effectivement. Mais c'est pas mal, en vrai. Alors, fais voir. Comment t'as appelé ça? Tête de loup. Ah oui, c'est sympa, en vrai. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon, rentrer dans le sol, hein, on est d'accord, mais... C'est quoi ton animal préféré? L'orang-outan. L'orang-outan, j'aime bien. Du coup, tu le mets à quelle hauteur à peu près? Genre comme ça? Rang architecte depuis 1985. Comme ça, ok. Ça marche. Excellent. Bah écoute, bouge pas. Je pense que je vais l'utiliser maintenant. Enfin, bouge pas. Tu peux bouger. Y a pas de souci, mais. Je pense que je vais l'utiliser maintenant.
Et peut-être bien ici. Parce que là, c'est pareil, hein. Là, ça va être un grand espace vide. Alors potentiellement, il restera globalement vide. Mais il va quand même pas falloir le laisser blanc comme ça. Donc ici, en sortie de route, on peut mettre cette grosse structure. Peut mettre cette grosse structure. J'aime bien, j'avais même pas fait attention. Les yeux viennent de me sauter aux yeux. Les yeux viennent de me sauter aux yeux. Soit on le met là, soit... Ouais, non, après on n'aura pas de vue là-bas, quoi. On n'aura pas de vue, hein. Ouais, non, on n'aura pas de vue. Bon, on verra. On verra, réflexion. Regarde de nuit. Ah, ouais, vas-y, attends. On passe de nuit. C'est la nuit. It's last noches. Y a besoin d'électricité? Bah non, mais y en a de toute façon de l'électricité ici. Ah si, ouais, d'accord, pardon, j'avais, je viens de seulement de... Ça vient de me sauter aux yeux. Excellent. Tu peux faire une petite mare devant la sculpture pour combler l'espace. C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée, mais le problème c'est que si je mets une mare là, je vais avoir envie de mettre une cascade. Ah, je me connais, il y a une rivière pas loin, je vais avoir envie de rejoindre. Bon, pour l'instant, on va finir de ce coin-là. On va finir ce coin-là. Non, mais très bien, j'aime beaucoup. Il y a des chacals dans le jeu, je crois pas. Prehistoric Kingdom ou Planet Zoo? Bah écoute, pour l'instant Planet Zoo parce qu'il y a plus de choses, mais ça pourra devenir Prehistoric Kingdom. Hein. Parce que si vraiment il y a tout ce qu'ils promettent, ça va quand même être dur de. Ça va quand même être dur de résister. Est-ce que ce serait pas intéressant de faire un copier-coller de ça? Non mais je vous pose la question. Sans prendre ça parce que c'est le bord. Tu sais, comme ça tu reprends. Sauvegarde ça en tant que plan. Boum. Je vais mettre remplissage. Remplissage. Je vais mettre scène. Hop. Très bien. Et du coup. Du coup, il faut juste que je repère la miniature. Il est pas là? Il s'est pas... C'est pas mis là. Oh! Je sais que c'est pas mis là. Ah si, c'est là. Voilà, comme ça. Hey. Comme ça, on peut remplir avec ça. Ça va quand même nous faire gagner un peu de temps. On va pas se le cacher. On remplira les trous avec le reste. Oh non. Très bien. Il est où? Est-ce qu'il y a la possibilité de faire un lac gelé? Tu peux globalement quoi. Tu peux globalement quoi. C'est pas... Enfin... Tu peux. Tu peux. Disons que... Pas trop trop fan quand même hein. Pas trop 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 fan quand même. Non, pas fan du tout quoi. Après globalement c'est à ça que ça ressemblerait à la fin mais je sais pas pourquoi là je suis pas convaincu quoi. Je ne saurais dire pourquoi. Bon après. Hein. Après ça passe encore. Hein.
Après, ça passe encore, hein. Bon, en vrai, ça fait quand même gagner du temps. Ça remplit quand même. Est-ce que tu as prévu de faire du Roblox sur ta chaîne? Non, non, j'en ferai pas de Roblox. Je n'en ferai pas. Ici, je vais laisser comme ça. Parce que c'est en pente. Donc, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Et je vais peut-être enlever. Genre celui-là. Enlever genre celui-là pour le mettre ici. Et du coup voilà, il y a moins, il y a un peu moins. Ouais, je préfère, je préfère. Ça dépend si tu préfères plus d'animaux ou la construction. Ah oui, c'est ça. Ah, pardon, c'est vrai qu'on était sur sujet. Prehistoric Kingdom ou Planet Zoo. J'avoue que Prehistoric Kingdom, s'il amène vraiment les dinos plus des mammouths et autres, ça va être tellement stylé. Ça va être tellement stylé. Bon, globalement, on a fini ce coin-là. Hein. Et là, pour le coup, on pourrait ajouter quelque chose ici, mais globalement, c'est caché avec la falaise. Donc, ça va. Ça va. Est-ce que je mets la même. Est-ce que je densifie tout le long là? Est-ce qu'on ferme complètement comme on a fait là? On pourrait, hein, tu me diras, je fais juste un copier-coller. Hein. Toi, je fais ça, on copie, on vient le poser là. On vient le poser là et toi 100 avec. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Pas obligatoirement, les montagnes sont gelées aussi. Ouais. Mais je trouve que là, du coup, ça fait vide. Non? Sur les montagnes, on les voit de plus loin au final. Les montagnes, on les voit. Toi, si t'es là, forcément, tu verras les montagnes là-bas, quoi. Toi, je pourrais pas cacher cette vue-là. Alors que là, la vue ici, on peut la cacher. Comme ça fait vraiment un clos. Tu sais, ça fait vraiment l'endroit où. Où tu t'y sens bien, t'es à l'abri quoi. T'es à l'abri. Moi j'aime bien. Sans, avec. Si c'est une bonne idée de copier-coller, ça harmonise aussi les plantes dans le zoo. C'est vrai, c'est vrai. Moi j'aime bien, moi j'aime bien. Je vous demande pas votre avis. Voilà, c'est décidé. Non, si j'aime bien. J'aime bien, de toute façon on peut voir comme ça. Je trouve qu'il manque quelque chose en fait là. Je trouve qu'il manque quelque chose. Alors que là, bah, il manque pas grand-chose. La limite, ce que je peux faire, c'est juste décaler pour amener un peu de plantes là. Ouais, c'est pas si mal. Non, si, j'aime bien. Ouais, un petit bug de texture, mais. Il y a le sapin qui est. Hop, tu es caché! Hop! Tu me vois? Tu me vois plus. On me voit? On me voit plus. On me voit? On me voit plus. On me voit? On me voit plus. Non, j'aime bien. J'aime bien. Je valide. J'aime bien ça en stylé. Ah, non, mais. C'est validé. C'est validé, c'est validé. C'est validé, c'est validé. Bah écoutez, ce coin-là est globalement fait, hein. J'ai l'impression que là. On a densifié tout partout, je voulais densifier. On a mis les barrières, on a mis les bancs. Ah, on l'a pas mis les éléments importants. C'est-à-dire habitat, pas du tout service. Service. Attendez, est-ce qu'on n'avait pas, on n'avait pas ce qu'il faut là-bas? On n'avait pas ce qu'il faut ici. Là. On n'a pas ce qu'il faut ici. Mais il me semble qu'il y avait un plan. Il me semble qu'il y avait un plan.
Avec le panneau d'info. Non? Il n'y avait pas un truc comme ça? Si, voilà, info panel. Nice. Très bien ça. En plus, regarde, c'est ma caque directe. Parfait ça. Alors, du coup, comment on pose? On va voir. On va voir. Alors, messieurs, dames, bienvenue. Ah, pas ce que je voulais faire, mais tant pis. Bienvenue chez le macaque. Je vais enlever ça parce que c'est chiant. Est-ce qu'on le met comme ça? Je vais le mettre ici plutôt. Mesdames et messieurs, vous pouvez assister dans cet enclos à la vie sauvage du macaque. Le macaca fuscata. Japaesa morcuca. Espèce particulièrement agressive. Nous sommes déjà à 17 décès depuis le début de la journée. Mais tout ira bien. Bien évidemment, l'important, c'est le respect des animaux. Et si vous les respectez, ils vous respecteront. J'aime bien poser comme ça. Il y a le panneau devant, le poteau devant, mais c'est parce que l'architecte, il n'était pas doué. L'architecte, il n'était pas doué. J'aime bien. C'est vrai s'il reste quelques trous parfois, puisqu'il va y avoir plein de choses de la commune dans le workshop à l'avenir. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est faux. Après, entre rien et comblé, il y a une marge. Ouais, non mais... Non, mais moi j'aime bien. Moi c'est vraiment le côté. Regarde, de nuit, ça fait vraiment le côté. Toi t'es vraiment. Il n'y a rien quoi. Toi t'as pas ce grand. Cette grande ouverture où tu te dis si ça se trouve derrière, il y a un loup ou un ours qui va nous attaquer. Non, là tu te sens à l'abri quoi. T'es vraiment dans le coin où on se sent à l'abri quoi. C'est le coin fermé. Ce petit coin fermé. Non, j'aime bien. Je valide moi. Dans ce contexte-là, c'est validé. Bon, du coup, ça, on a un panneau ici. Par contre, il est très gros. Du coup, est-ce qu'on le met la prochaine fois, on le met ici. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas ici? Ferme ça, là. Je vais le mettre un peu plus haut. Boum. Légèrement plus haut. C'est très bien. Pas d'électricité. Tu peux mettre plus d'éclairage. Bah, j'ai mis l'éclairage, il y a rien, il y en a beaucoup, hein. C'est juste que c'est des lampes qui éclairent pas énormément. Mais bon, après, c'est pas grave, hein. En vrai, ça éclaire pas quand t'es en bas, mais ça éclaire quand t'es en haut. Et c'est ça qui est bizarre. Je regarde. Là, c'est vachement éclairé, quoi. C'est vachement éclairé quand, par rapport à là. Et pourtant, quand tu descends, c'est vrai que t'as pas cette sensation où ça éclaire à fond, quoi. Bon, si, ça va quand même. Non, si, c'est bien. Si, c'est bien. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, en fait. J'aime bien, j'aime bien. Il y a environ combien d'animaux sans DLC? J'aimerais bien acheter Planet Zoo. Sans DLC, je pourrais pas te dire précisément. Une bonne soixantaine quand même. Hein. Merci beaucoup, Félix Rojab, bienvenue. Une bonne soixantaine quand même, hein, je pense. Hein. En vérité. Ici, qu'est-ce que je pourrais mettre? Rien. Hein. On n'est pas obligé de mettre quelque chose. Hein. On n'est pas obligé de mettre quelque chose. Hein. Mon service. Y avait pas eu un truc de boîte à dons aussi là? Qui a été déco là? J'avais pas récupéré un truc comme ça? Hein? Je l'ai pas pris? Boîte à souhait distributeur. Bien sûr qu'il y a. Bien sûr qu'il y a. Alors attendez, on repart là-bas. Ici c'est le stock pour l'instant de construction. Donc là-dedans on pourra mettre distributeur de billets. Et ici des boîtes à dons. Alors boîte à dons. Boîte à dons. Alors c'est un peu gros.
C'est un peu gros. Donc on va plutôt le mettre par là. Je vais plutôt le mettre comme ça. Genre tous les... Tu vois? Si je mets genre... Alors pas là. Si je mets genre un là. Sinon j'en mets trois là. Hein. J'en mets trois là. Et on est bien. Pour l'extérieur, on est bien. De toute façon, les gens ne vont pas venir ici. Globalement. Je pense pas. Ils vont être à l'intérieur. Ouais, je pense. Duplication. Duplication. Ouais, ça gêne pas et ça remplit. C'est bien ça. Très bien. Service. Boîte à dons. 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 Tac. Très bien. 80 animaux. 80? J'aurais pas osé dire autant. Si tu veux, Planet Zoo édition première à 53 euros. Alors que c'est 95. Ouais. Après, ça reste une somme. Hein. Ici, est-ce qu'on met des grosses constructions comme ça? À l'intérieur même de l'enclos? J'ai peur que ça gâche un peu, quoi. J'ai peur que ça gâche un peu. Après, c'est très naturel pour le coup. C'est en bois, quoi. Donc, c'est vrai que si je peux peut-être en mettre deux, quoi. Une là et une ici, quoi. Ouais, peut-être. Deux, c'est pas de trop. Deux, c'est pas de trop. Et là, on y ajoute. Alors, est-ce que je vais réussir à le poser de l'autre côté? Peut-être pas en venir. Hein. Oh, si. Oh, c'est bien fait. Du coup, on va décaler. Ici. Service. Tac. Tac. Hop. Rouge. Voilà, comme ça. Les gens. Oh, un petit peu peur. Oh, chèque, bienvenue, merci beaucoup. Regarde ça comme il est heureux. Oh. Oh. Il est beau. Juste pas trop. Ouais, non, c'est pour ça, deux. Entrée et sortie, quoi. C'est très bien. Il y a des poubelles qui compensent la saleté des gens, on va dire. Et on n'a pas de point d'info à l'intérieur de l'enclos. D'ailleurs, on peut le savoir, ça? Est-ce que à l'intérieur de l'enclos, on a de l'éducation? Bah, j'étais dessus déjà. Il n'y a pas d'éducation à l'intérieur. Potentiellement, on pourrait ajouter des. Comment ça s'appelle? Ouais, je vois là quoi. Tu pourrais faire un enclos pour les renards des neiges? Je dis ça parce que je sais pas comment ça s'appelle. Il n'y a pas de renard des neiges. Il y a le loup arctique, mais il n'y a pas de renard des neiges. Il n'y a pas de renard des neiges, malheureusement. Bon, et globalement, on est pas mal. Globalement, on est pas mal. Je rajouterais peut-être quand même ici. Ici, support à éducation. J'ajouterais peut-être quand même ici. Alors là, il y a de l'éducation. Là, il y a de l'éducation. Je vais le centrer ici. Voire même le mettre là, en vrai. Voire même l'ajouter là. Le poser là. Hop, macaque. On est presque bien, quoi.
On est bien là. C'est mis sur le côté, mais on est bien. Merci beaucoup, bienvenue, Aurel. Voilà, très bien. Boum. Tous ceux qui marcheront ici en apprendront un peu plus sur le macaque. Et ça, c'est beau. Et quand tu marches à l'intérieur, il faudrait qu'on fasse pareil, quoi. Faudrait qu'on fasse pareil en accumulant, du coup. Macaque. Merci beaucoup, Albert Lagoutte. Bienvenue. On n'est pas obligé d'en mettre 12. Enfin, on n'est pas obligé d'en mettre un truc énorme, quoi. Toi, si on veut un peu de respect pour l'animal, toi, tu l'enterres. Invisible. Ça marche encore si on fait ça. Derrière, tu dupliques. Derrière, tu dupliques. Super! Il est où? Oui, bah bien sûr. Sors-le là. Comme ça. Y a pas de dauphin, non. Tu pourrais faire un enclos pour dauphin si tu refais du Planet Zoo, s'il te plaît. Ouais, non, il n'y a pas de dauphin non plus dans le jeu, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Le jeu a ses limites. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Le jeu a ses limites. Pas d'espèces aquatiques pour l'instant. Enfin, si, il y en a, mais il n'y en a pas non plus. Et là, pour le coup, si les gens se peignent et on n'apprend pas ces choses sur les macaques. Oh non, c'est pas ce que je vais faire. Je sais pas ce qu'il vous faut, hein. On fait pas hurler le truc. Et l'info circule. Pas ce que je voulais faire. En espérant que l'éducation soit bonne du coup, quoi. Tout le long, t'entends parler du macaque. J'espère que ce sera bon. Là, il y a un échec là. Là, il y a un échec là. Juste une question, à quoi sert le nombre à droite de moi? À droite de toi? Ah, pour le coup, je sais pas. Si quelqu'un voit de quoi il parle. Espace ou Tycoon encore s'il nous arrive un jour. Ouais. Peut-être, hein. Peut-être, hein. Boum. Parfait. Et je suis même pas sûr qu'on en ait besoin parce qu'ici, évidemment, on est de l'autre côté. Hein. Donc on va ajouter ceci. Ah non, pas ça. On va ajouter ceci. Duplication. On n'en aura peut-être pas besoin. Et ouais, on n'en a pas besoin. Alors, j'ajoute à gauche ou à droite? Peut-être plus ici. Ouais, non, ici. Après, si je le mets comme ça. Comme ça gêne, je trouve. Comme ça gêne, je trouve. Je vais le mettre comme ça ici, à droite. C'est décidé. C'est décidé, c'est adjugé. Je le pose comme ça. Fais voir du coup. Voilà. Et du coup, il y a ça qui gêne. Donc, toi, t'es supprimé. Et ce petit bout-là, bon. Faut pas dire que ce soit extrêmement gênant non plus. Hein. Hop. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Parfait, ça.
Parfait, parfait. Et on va accumuler aussi. Alors, par contre, il en faut ici aussi. Parce que forcément, il faut que les gens entendent parler du Mac. Du macaque. Mais il est où là? Ah bah oui. Ah, évidemment. Boom. On repositionnera après. On va déjà positionner la portée. C'est parfait, j'ai envie de dire. C'est parfait, j'ai envie de dire. Juste décaler un petit peu. Voilà. Très bien. Le haut-parleur est mis. On n'est pas mécontent. Ensuite, on ajoute là. Boum. Boîte à dons. Boîte à dons, boîte à dons. Je vais en remettre une ici, mais bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire, quoi. En même temps, là, j'ai pas encore décoré, tu me diras. J'ai pas encore fait le board layout. J'ai pas encore fait le bord de la route ici. Enfin, les trucs. Oh, vite les 100K sur YouTube. Bah écoute, Aurel, ça grimpe. Ça grimpe tranquillement, quoi. Ça grimpe tranquillement. Bon. On est pas mal. On est pas mal. Cet enclos est fait. Alors, il y a plein de choses où on pourrait mettre encore. Hein. Notamment. Non, pas ça. Notamment, ils sont où tous les panneaux Tous les panneaux ne pas nourrir, etc. C'est dans quoi déjà? On pourrait mettre des caméras de sécurité, etc. Non, mais clairement. Hein. Clairement. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ne pas déranger, ne pas nourrir. Voilà, je savais pas quoi mettre ici. On peut mettre ce petit panneau là. On le met. Est-ce que vous aimez bien? Vous aimez bien ou ou je le mets pas? Parce que bon, on n'est pas obligé de le mettre, hein. On peut le mettre parce que ça décore, mais. Ça fait très réaliste, quoi. Ça fait très réaliste, quoi. Non, c'est moche. Ouais, c'est pas incroyable, quoi. Ils sont pas fous, ces panneaux, c'est vrai, hein. C'est vrai qu'ils sont pas fous, ces panneaux. Ça a un impact sur les visiteurs? Je crois. Il me semble que ça a un impact, ouais. Comme ça va. Il me semble que ça a un impact sur je sais plus sur quoi. C'est dans quoi déjà qu'on voit ça? Ah, là. Ça va ne pas nourrir. Tu vois ici, tac, info, il y a un panneau ne pas nourrir, quoi. Ça marche si on l'enterre. Ouais. Ouais. Non mais c'était la question, hein, parce que je peux les utiliser, c'est pas gênant. Mais est-ce que je les montre ou est-ce que je les cache, quoi? Après, c'est vrai qu'ils sont pas fous, quoi. Donc bon. Bon, par contre, l'impact est très grand. Donc on n'a pas non plus besoin d'en mettre 12. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Je peux parfaitement venir mettre ça. Je vais le cacher, hein. Je vais le cacher. Venir mettre ça genre ici. Hop. Si je le rentre. Est-ce que ça a un impact sur la zone? Pas plus que ça.
Boum. Duplique-le. Ouais, c'est vrai qu'on peut juste faire ça, quoi. On peut juste faire ça, quoi. Bonsoir, Jenny. Workshop. Skyway a déjà fait un truc. Non, mais ça va, en vrai. Comme ça, c'est pas si mal. Attends, je vais aller voir sur le workshop. C'est pas si mal. Celui-là, il est pas horrible, en vrai. Peut-être un peu plus centré, il serait mieux aussi, mais... Celui-là, il est pas horrible. Tu ça met une déco sur le mur qui est en train de se fendre, en plus. Je sais pas s'il y a des gens qui travaillent ici, mais... On n'a pas de salle de repos pour les employés ici, là. Personnel. Salle du personnel. Ah, on en a une petite, capacité 4. Demande faible. Inefficace. Allez, y a une route Pourquoi il l'utilise pas? Pourquoi est-ce qu'il l'utiliserait pas? Pas de raison qu'il l'utilise pas. Bonsoir Ria, du coup. Il veut dire quoi ce panneau? Le panneau qui est ici, c'est chute pas de bruit. Donc je l'ai mis à côté de là où ils dorment. Potentiellement, hein, tu vois. Tiens, ils ont un coin, un repos ici. Donc chute pas de bruit. Et puis le reste, tout le long, attention, ne pas nourrir, quoi. Tout le long, ne pas nourrir, d'autant plus qu'on marche à l'intérieur, donc... Voilà, quoi. Comment ça va en cette nuit si magnifique? Bah écoute, ça va, hein. Moi, ça va. Il y a peut-être ce panneau-là à virer, ça pourrait être pas mal. Tac. Et ce panneau-là, c'est celui qui est à l'intérieur, donc il va falloir augmenter la grosseur de la montagne pour cacher. Ok, ok. Bon, petite sauvegarde. Petite sauvegarde. Et on va aller sur le workshop vite fait. Voyons un petit peu l'ajout workshop. Où est-ce que c'est? Mon truc, il a bugué, moi. Ah, workshop. À la prochaine, les gars, moi je vous quitte. Salut, Shake, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Merci beaucoup, bienvenue, Creator. Je vois pas. Je l'ai raté? Mais peut-être pas encore là, hein. Il est peut-être pas encore là, dis donc. Hein. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Tu cherches quoi? Bah je sais pas, on m'a dit sur le workshop il y avait un nouveau truc, donc là je vois pas de nouveau truc, donc c'est défaillant, c'est pour ça qu'ils veulent pas prendre ce chemin. Relâche un bœuf musqué, ils le prendront. bon, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, c'est pas gênant. Ok. Alors, ensuite. Il faut faire la route ici. C'est long, hein. C'est long, hein. Non, je vais faire la grotte d'abord. Je vais m'occuper de la grotte d'abord. Au moins, ce coin-là est vraiment complètement full fait. Full fait. Les employés sont au bout du rouleau, j'ai l'impression. Vas-y, on va s'occuper de ça. Alors, terrain. Terrain élevé. Boum. Viens donc. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de tenter...
Ah, très bien, très bien. Eh ouais, raté, raté. Mais non. Parce qu'il faut regarder par en dessous, évidemment. Et du coup, tu peux... compléter un minimum. Après, tu me diras compléter dans l'absolu, on s'en fiche. C'est vrai. C'est vrai, complètement. Complètement vrai. Objectif caché, cacher l'écran. Cacher l'écran. On le cachera avec des cailloux, mais au moins cacher le bord ici, pourquoi pas. Ici, du coup, on a fait un trou. Ici, on a fait un trou. Un truc qu'il va falloir grossir. Hein. Comme ça. Pas folichon tout ça. Heureusement, on n'avait pas encore déco cette montagne. On pourrait lui faire une cascade. Eh, humour. On essaie de déco pour que le bourrelet soit pas un truc qui ultra bizarre quoi. Que ce soit pas juste une appendice de la falaise quoi. Mais plus effectivement quand il y a une montée des eaux, ça sculpte quoi. Ok, très bien. Bonjour Premzota. Je viens de penser que l'igloo que tu as, que je t'ai fait, tu pourrais le mettre au milieu où tu ne sais pas quoi faire. Comme il est traversant, ça peut rendre bien côté, ou à côté aussi. L'igloo? Qu'est-ce que c'est l'igloo? C'est de ça que tu parles? Merci beaucoup, bienvenue, Pado! Bienvenue, bienvenue. Construction que je t'ai faite vendredi dernier. Ah ouais, attends, alors, pour l'instant on n'y est pas. Pour l'instant on n'y est pas. On va creuser ceci, bien sûr. Hein. Objectif. Que ça ne cache pas mon écran. S'il vous plaît, vous êtes bien gentil. Ne cachez pas ma structure qui m'a demandé tant de temps. À faire. Pas du tout. Ok, très bien. Très bien, très bien. Et ici, du coup, on l'ajoute. Il faudra qu'on ajoute les cailloux. Les cailloux en conséquence. Comme ça, on a une grotte qui est globalement faite. On peut laisser des trous, des imperfections. C'est une grotte, hein. C'est une grotte, hein. On l'a juste aménagée, hein. Merci beaucoup, bienvenue, Zira Malfoy. C'est quoi le truc bleu? Le truc bleu, c'est un écran qui a été ajouté avec la dernière mage. Et j'ai ajouté un peu comme si on était dans un sous un ciel étoilé avec... merci beaucoup, bienvenue, Form. Tu vois, il y a la lune, aurore boréale, etc. Tout n'est pas très très bien mis. Tout n'est pas, tu vois, l'aurore boréale ici ne suit pas forcément de ce côté-là, etc. Bon, ça, j'avoue que c'est un détail, quoi. C'est un détail. Je l'ai déjà inversé une fois pour associer un peu mieux. Au final, c'est mieux associé sur la fin, mais pas sur le début. Bon, voilà, quoi. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Mais ça fait sympa. Ça fait sympa. C'est joli tout ça, dis-moi. Ouais, ça va, ça rend pas mal. Ça rend pas mal. Ça rend pas mal du tout. Bon. Alors,
Il faut qu'on finisse cette montagne là. Faut qu'on finisse cette montagne. Enfin, cette montagne. Terrain. Ça va? Si je creuse un peu là, du coup. Alors attendez, ouais, d'accord, ok. Je voulais voir un petit peu où j'arrivais. Comme ça. On va ajouter des cailloux. Des cailloux, des cailloux. Alors la porte ici, elle est clairement pas aussi large. Hein. Ouais, non, clairement pas. Mais on peut peut-être poser quand même. Attends. Je l'avais pas fait en plus un copier-coller de ça? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Pas du tout, pas du tout. Enlève-moi l'écran là. Ouais, enlève-moi l'écran. Il a enlevé l'écran? L'écran n'est pas enlevé. Pourquoi tu peux pas enlever l'écran? Si je veux pas sélectionner l'écran, comment tu veux que je fasse? Ah ouais, bah voilà. Et du coup, là, tu le sélectionnes tout seul. Donc, tu m'embêtes plus qu'autre chose. Je te le supprimerai après, au pire. Je te le supprimerai après, au pire. Voilà, si je duplique. Après, tu me diras, je peux le poser là. Supprimer l'écran. Attends, mais il y a combien d'écrans? J'en ai mis deux, quoi. J'ai mis deux écrans. Déplacer. Alors. Bonjour, Lolo. Ici, viens là. Tac, tac. Pourrait parfaitement reprendre la même structure. Hein. C'est vrai. Hein. C'est un gain de temps, hein. J'ajoute quelques cailloux histoire de changer. Mais au moins on a comblé quoi. Ouais. Je décale un tout petit peu. Tout est dans l'optimisation. Hein. L'optimisation et le gain de temps. Ça. Comme ça. Est-ce que ça aurait pas été mieux de carrément sélectionner l'ensemble ici hein. Quoi? Ah pardon, j'ai sélectionné tout le fond de la map quoi. Ah oui, ouais, non, inattendu. Je vais faire ma Noom, mais je ne connaissais pas ce jeu et l'apprécie assez complet. Bah écoute, il est très complet quand même. Il est très complet. Il manque des espèces, il y a quelques éléments de gameplay qui sont pas... les plus optimisés, je trouve. Mais globalement, oui, il est très complet, quoi. Il est très complet et très plaisant. Pour des créatifs, ce qui n'est pas mon cas... Il est très plaisant. Ouh, trop bien. Très bien. On va juste ajouter. Alors peut-être pas celui-là parce que ça va pas être assez. On va prendre ça. Je vais le dupliquer. Boum, tu vas le décaler comme ça. Le descendre, rotation, descente. Comme ça. Comme ça. C'est un peu gênant cet effet là. Ouais, trop bien comme ça. Je serais toi, je mettrais un grand panneau à l'entrée de la grotte. Un grand panneau? Pour y mettre quoi? Je vous laisse à demain. Salut Berinois! Pour y mettre quoi? Qu'est-ce que tu mettrais sur ce grand panneau? L'idée peut être intéressante. Hein. De toute façon, on travaille ensemble. Hein. Je fais, mais...
Si on fait en live, c'est aussi pour que vous puissiez m'inspirer. Alors, attendez. Comme ça. Comme ça. Il y avait un côté où... comment il tient? J'aime pas. La nuit des horreurs sur le panneau. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Après, où? Peut-être pas forcément un grand, mais pourquoi pas un petit. Effectivement, tu vas poser là. Tac. Fais voir, c'est où déjà les écrans? C'est pas là? C'est en service? Ah oui, c'est là. Panneau éclairé 32, c'est un peu grand. 8. 8, c'est pas mal. 8 est pas mal. Bon, j'ai l'impression qu'on est parti du mauvais côté. Le problème, c'est que ça va casser un peu les étoiles dedans. J'aime bien. J'aime bien, mais plus petit encore. Plus petit encore. Je mettrais pas un si grand quand même. Après, c'est écran de télé, quoi. Un plan éclairé de 4 mètres, c'est le plus petit que j'ai, quoi. Mais ouais, pourquoi pas, je vais reposer là, sur le côté, au final. Bon, on va enlever ça. Ah, le truc, le seul truc, c'est que j'ai pas d'affiche, quoi. Si quelqu'un se sent chaud pour en faire une, vous pouvez. Effectivement, on pourrait aller poser un petit panneau pour indiquer. Admettons comme ça, quoi. Admettons, hein, c'est un test. Hein. Quoi? Pourquoi nombre total d'objets 8? Bah. Je peux pas le modifier? Y a pas des petits panneaux en arc de cercle? Non, 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 ils ont pas poussé le truc aussi loin. Ils ont pas poussé le truc aussi loin. Bon, l'idée est intéressante. Si vous sentez chaud pour faire un truc, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Pour l'instant, je vais avancer parce qu'il faut quand même avancer. Je vais boire un coup parce que j'ai soif quand même. Panneau en bois. Bah n'hésitez pas. Si vous avez le jeu, n'hésitez pas. C'est pas que je me débarrasse, c'est que l'idée est intéressante et que si vous avez le jeu, que vous savez jouer, que vous savez faire, c'est le but de ce zoo. On fait ensemble. Donc go. De toute façon, la construction, clairement... clairement, les constructions, moi je... Ah, attendez. Enfin, j'en veux plein, quoi. Tu vois, toutes les idées qui peuvent vous passer par l'esprit, si vous avez le jeu, vous savez faire. Ou même si vous n'avez pas, hein, donnez-les. Hein. Parce que d'autres, d'autres qui ont le jeu et qui peut-être ont envie de participer, mais qui n'ont pas forcément d'idées, ça peut leur donner des idées pour le faire. Et c'est parfait, quoi. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Bon, je vais te dupliquer, mais écoute. Vraiment pour remplir là, quoi. Voilà. Voilà. On a fermé ce qu'on a. Désolé, j'ai pas le jeu, mais c'est cassé. Ah.
C'est de la participation collective, exactement. Exactement. Donc, foncez, j'ai envie de dire. Foncez, foncez. Bon, je vais essayer de prendre ça. Je le modifierai un petit peu, cette entrée, parce que je l'aime bien. Mais je la modifierai quand même. Et je vais le mettre en face, du coup. Voilà. Oula, 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 reviens. Chut, chut, ça va aller. Molo, molo, mon grand. Alors, on va poser ça proprement. En plus, c'est associé avec les rochers qui sont déjà là. C'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Ben, c'est parfait en vrai, poser comme ça. Il y a les plantes qui vont tout le long là. Non mais c'est très bien comme ça. On ne bouge plus. On ne bouge plus. Je peux te descendre. Ou je te remonte. Non, très bien comme ça. Très bien comme ça. Extraordinaire. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On va ajouter quelques structures. Enfin, quelques roches. Voilà. À peu près, on est à peu près. C'est pas ça que je veux. On va ajouter quelques roches. Là, comme ça. On va changer un peu. Ouais, ok. On va ajouter celui-là, là. Comme ça. Et on va mettre pareil ici. Si tu veux, je peux encore en faire. Quoi, j'ai déjà beaucoup de fait de choses si d'autres veulent participer. Non, non, mais de toute façon... Enfin, tout ce qui est bâtiment et autres... Enfin, là, on est que sur le tout début du zoo, au final. Hein, donc... et on a déjà eu besoin de beaucoup de trucs. Hein. Donc, si jamais... si jamais d'autres personnes veulent participer, on ne sera pas en manque de besoins, quoi. On ne sera pas en manque de besoins. Donc, si tu veux faire, tu fais, il n'y a pas de souci. Après, t'embête pas si t'es pas trop motivé. Puis voilà. Ok. Bon, faudra que je remette un peu de texture. Ouais. Et on va ajouter Oula. Est-ce que ça mange beaucoup l'écran? Ouais, ça mange beaucoup l'écran quand même. Dommage. Bon après tu me diras c'est pas gênant. Hein. C'est vrai que c'est pas gênant dans l'absolu. Hein. Merci beaucoup, bienvenue Genesis. Genesis? Genesis. Bienvenue, bienvenue. J'essaie de pas trop pile poil l'aligner. Je vais juste ajouter au-dessus ça. Aïe aïe, voilà. Comme ça, très bien. Comme ça, très bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Quand tu seras dans la montagne, il faudra que tu partages ton zoo pour qu'on puisse faire des bâtiments en fonction de la terraform. Quand tu seras dans la montagne. Comment ça, quand je serai dans la montagne? Ah, quand je serai plus loin... Ouais, ouais, c'est une idée, mais...
Mais le truc, c'est que je suis pas à l'abri de modifier au fur et à mesure, quoi, donc. Moi, mon idée, c'est plus vous faites et je m'adapte. Plutôt que de vous faire faire. Enfin, plutôt que de. Voilà. Hein? Plutôt que. Enfin, c'est plus simple dans ce sens-là, quoi. C'est plus simple pour moi de m'adapter. Ok. Ah, très bien. Très bien. Fais voir un peu, du coup. Si on met un petit play. Ouais. Bon, là, il faudra voir qu'est-ce qu'on met. Est-ce qu'on décore? Est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'on laisse brut comme ça? Faudra voir. De base, j'étais parti pour mettre des bâtiments, mais avec l'écran au-dessus, ça passera pas. Donc, le jeu coûte cher. Le jeu est en promo régulièrement. Après, après, je sais pas combien il est hors promo, quoi. Sinon, l'intégralité de tout sera compliquée. Oui, sinon, l'intégration de tout sera compliquée. Bah, l'intégration. Oh, ma caca est mort. Yasuo! Mais l'intégration ne sera pas compliquée parce que c'est la terraformation. C'est juste ça. Et c'est pour ça qu'avant d'entamer une construction, ou une déco, ou la pose d'un enclos, ou un truc comme ça, je regarde toujours ce que vous avez fait. Comme ça, je vois, moi, à peu près, avec ce que j'ai en tête, où est-ce que je pourrais le mettre, comment je pourrais le mettre, et après, j'adapte. Après, j'adapte. Ok, très bien. Très bien, très bien. Bon, ça me semble pas mal, ça, hein. Ça me semble pas mal. On va s'occuper du dessus. Alors, le dessus, on avait dit qu'on ferait plus roche et quelques arbres. Mais on ferait pas une forêt aussi dense que ça là-bas. Donc, on est parti. On est parti. On est parti. On va le faire de loin. Parce que c'est vraiment le côté. On remplit pour pas que ce soit une grosse tache blanche et vide. Déjà, les trous comme ça, j'ai envie de les remplir. Ça, déjà, j'ai envie de faire ça. Voilà. Hop. Ici, je vais zoomer. Parce que je vais descendre un peu. Comme ça. Et je vais ajouter celui-là. Une petite structure vite fait quoi. Là. Comme ça. La tête de la montagne pour qu'on puisse le voir de tout le parc. Non, ce serait un peu gros. Un peu gros. Là, je veux pas mettre une structure, je veux vraiment, tu sais, le côté, voilà, c'est la montagne, entre guillemets. On n'a pas aménagé le coin, on s'est adapté autour et on l'a laissé, quoi. Nope. Ouais, je sais pas. Comme ça. Comme ça. Au niveau des cailloux, je pense qu'on est déjà pas mal. Je veux pas en mettre beaucoup plus. Je pense que j'en mettrai ici. J'essaierai prochainement de faire une tête d'ours ou de loup. Un tout petit chalet. L'idée est intéressante. L'idée est intéressante, mais il n'y en a pas. Donc voilà. Non, mais en vrai, ici, ça va être plus nature.
Mais après, l'idée d'un chalet perdu dans la montagne, intéressante, hein. Donc, s'il y a des gens qui se sentent chauds, qui ont envie de se lancer dans cette construction de chalet, bah, ce sera utilisé, mais plus loin, ailleurs dans le zoo, quoi. Ailleurs dans le zoo. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. On va mettre quelques plantes. On va mettre quelques plantes. Ici, je vais tout de suite mettre ça. Non. Ouais. Et un peu ici aussi. Très bien. Je vais mettre... Alors, c'était quoi? Qu'est-ce que c'était, Léon? Je retiens de l'idée est intéressante par... J'en veux pas, mais je veux pas les vexer. Pas de soucis. Non, pas du tout, hein. Pas du tout, hein. J'aime bien l'idée du chalet. Mais je la veux pas là, quoi. Non, si, l'idée dans la... Enfin, le chalet dans la montagne. Trop bien, ouais. Trop bien. Juste pas là, quoi. Enfin, ça rendrait très bien, hein, mais... Mais c'est pas ce que j'imagine, quoi. Je voulais autre chose, mais bon... C'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On met des arbres... Peut-être des arbres un peu plus... Un peu moins touffu, quoi. Un peu moins touffu, pas forcément très haut. Je vais le pencher un peu, lui. Tac. Je crois qu'il y a le créateur du jeu avec les yeux sur le chat. Ah bon? Ah, je sais pas, j'ai pas vu. Je sais pas, j'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas vu. On va pas aller chercher le speedrun, mais on va en tenter un. Hein. Je le sens, ça va arriver. J'ai envie de tenter. J'ai envie de tenter. Peut-être plus mettre des arbres comme ça. C'est plus ce que j'imagine. C'est Tim Baudet, non? Ouais, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Effectivement. Donc si tu as vu le pseudo... C'est qu'il est là, mais j'ai pas vu, donc autant pour moi. Bonjour le Dadou. Le Dadou, pardon. Bonjour le Dadou. Eh, c'est pas dégueu. C'est pas... Non, mais en vrai, c'est pas mal. J'aime bien. C'est ce que j'imagine. Je vais encore ajouter 2-3 arbres, je pense, mais pas plus. Pas plus, parce que... Celui-là est presque trop, mais on va peut-être densifier au pied. Il y a Yellow Viking and Turtles. Ah ouais, ah j'ai pas vu. Hello Tim Body. Du coup. Excellent, ouais. Excellent. Est-ce que je mettrais pas un... Non, trop grand, trop grand. Petit sapin comme ça. Pas convaincu. Ah, bien celui-là. J'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là. Non mais si, c'est très bien, vous avez vu? Non si, ça rend bien. Non? Si. Ah, Zuxi, merci beaucoup pour ton raid. Merci beaucoup, bienvenue à vous. D'où venez-vous? Que faisiez-vous? Stylé, j'aime bien. Non, non, mais ça rend pas mal, hein. Ça rend pas mal. Je pense que je vais... C'est quoi celui-là? Oh, il est bien celui-là, regarde, il a pris le vent. Merci beaucoup, bienvenue Zuxi, du coup. Bienvenue, bienvenue. Un marteau de Thor au milieu. Oh, l'idée est intéressante, c'est vrai. Bon, par contre, là, non mais, sans rire, s'il y a quelqu'un qui se sent chaud, tac, qui nous fait un marteau de Thor géant, on le pose quelque part, hein. Enfin, géant, attention, hein, pas non plus de la taille d'une montagne, tu vois, mais... un marteau de Thor qui fait genre, tu sais, la taille de ce bâtiment-là, donc 2 de carré. Propre, quoi. Tac, hop, on le pose, voire un de plus, hein. Et...
Non, mais moi j'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée. Allez, ouais, avec plaisir, on était sur Planet Zoo aussi. Ah, excellent. Moi je t'ai fait un bateau géant. Ouais, mais du coup, le bateau, il faut qu'il. Enfin, il sera posé certainement là. Mais pour l'instant, on n'est pas de ce côté-là, donc. Excellent, excellent, du coup. Planet Zoo. On est sur un zoo de communauté. Vous faites les constructions, les enclos, les bâtiments. Et je pose et je décore autour. Ouais, pas plus. C'est peut-être ici. Pas plus, pas plus. Pas plus, pas plus. Ici. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Je suis pas. Non, j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. On est un peu. Voilà, hein? Non? Si. Voilà. Tu recommences avec j'aime bien l'idée. De. Mais si. Ben, j'ai pas le droit d'aimer les idées. Qu'est-ce que c'est? Comment? Non, mais c'est vrai. Ah ouais, on peut mettre un tronc d'arbre. C'est pas mal ça. J'aime bien l'idée. Non, c'est peut-être un tic. Hein. C'est possible. Oh, il y en a deux! Bon, je suis pas sûr qu'on voit une grosse différence, mais. Faut que ça reste en rapport avec le thème, par contre, car sinon je ferais de ces trucs. Ouais, non, bah bien sûr. C'est sûr. Gardons un style. J'aime bien ce côté. Creusé comme ça. C'est involontaire, mais ça rend bien. Au final, c'est pas si mal, hein. En vrai. Qu'est-ce qu'on en pense? Si, hein. Il n'y aurait pas la neige, je mettrais ça, mais bon, le fait qu'il y ait de la neige fait que l'intérêt est limité, quoi. L'intérêt est limité. J'ai presque envie de mettre un petit peu de plantes ici, mais de mixer un peu. Je vais mettre un truc genre comme ça. Et ajouter ça. Comme ça. Et ajouter un peu de fougère. On pousse peut-être un peu trop loin. C'est la plante de trop? Non, très bien. Si, c'est bien. Statue de Roy XXL. Une statue de mon ego. Là, il n'y a pas assez de place sur la map, malheureusement. Fenrir sur la colline. Ah, non, mais ce serait classe. Hein. Non, en vrai, ce serait classe, mais bon. Parle pas de cascade, il adore ça. C'est possible de faire les cascades. Ouais, c'est possible, hein. Regarde, on a fait une gelée en plus ici. Enfin, non, elle est pas gelée. Ça a gelé au-dessus. Il y a une petite cascade là. Non, mais c'est beau. On en a une ici. Et une belle là aussi. Non, mais. Non, mais que dire? Que dire? Ah, j'ai envie de faire une cascade. Ah, j'ajoute une cascade. Ici, c'est fondre des glaces. Je rigole, humour, animal mort, ouais ça décède hein. Mais en même temps, bah lui il est toujours pas ramené. Ils font rien les gens lui. Et lui il est toujours parti lui. Oh, je sais que je suis en pause mais quand même. C'est buggé en fait. Eno c'est 36 objets. J'ai un bug là non? Non? Pourquoi mon cerf c'est un objet? On va peut-être relancer. On relance. On relance. Le petit bug. Le petit bug qui fait plaisir. Menu principal. Les lèvres sur plein d'iso sont chill, ça fait du bien. Ouais, je confirme. Je confirme. Prévoyez, vos jeunes animaux vont devenir adultes. Ouais, je ne prévois rien. Moi. Si je prévoyais, ça se saurait. On y retourne. Il est reparti dans ses quatre. Je suis bluffé par tant de beauté et de précision dans la conception du zoo. Une meuf qui débarque. Non mais en vrai, c'est vrai que si tu connais pas le jeu, merci beaucoup Bounce Long. Je suis pas sûr de la prononciation, mais bienvenue. Si tu connais pas le jeu, effectivement, le jeu est quand même très complet. Hein, donc
Il a ses limites, hein, mais il est très complet. Après, faut pas faire attention à la survie des espèces. Pour l'instant, on n'est pas sur ce, on n'est pas sur ça, quoi. Mais ils sont tous au bout du rouleau, mes employés, du coup, là. Ah ouais, c'est ça. Ils font plus, ils travaillent plus, quoi. Ils travaillent plus parce qu'ils n'ont pas accès. Ils ont pas. Ils sont tous morts. Vague de décès chez le petit polaire. Hein. C'est pas, c'est rien d'autre que de la fatigue. Rien d'autre que de la fatigue. Mort de froid. Ils se sont endormis sur le bord de la route. Bienvenue. Ça fera à manger pour les prochaines espèces et les carnivores. Ça, c'est très bien. Mais c'est vrai que du coup, ça nous fait réembaucher des gens, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Ah, c'est dommage, ça. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas accès à leur salle de repos? Il va nous falloir un vrai bâtiment salle de repos. Il va nous falloir un vrai bâtiment. Peut-être qu'on va l'ajouter là, tiens, justement. On a un autre bâtiment. Un autre bâtiment employé. On en avait un plus petit. Mais est-ce qu'il y a, il y a salle de repos dedans? Centre d'échange, labo, recherche, atelier. Oh, ça, on l'a posé ici. Continue. Cabane de soigneur et salle du personnel. Ah, bien! Et regardez ça, c'est beau ça. Ils sont payés une bouchée de pain. Ils sont payés. Déjà, ils vont pas se plaindre. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Les gens se plaignent. Déjà, ils sont payés. Ils ont la chance d'être... d'être dans ce zoo. Et ça, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'on les met comme ça? Ou est-ce qu'on le met comme ça? Qu'est-ce qu'on préfère? Comme ça? Comme ça. Comme ça, ça passera pas. Enfin, si, ça pourrait, mais c'est pas beau. Dos ou face? Parce que de face, de face c'est sympa, mais de dos aussi. Parce que de dos ils ont la vue du coup sur la rivière, alors que de face non, ils auront vue sur... Et on pense à leur voleur. Dos, ouais, dos. Hein. Cascade avec rochers, cailloux, jet d'eau et orties. Le combo. Le combo. Je suis conquis. Non si, c'est pas mal, au moins... Attends, il est où le sol, là? À quel moment je suis dans le sol, là? On sait pas trop, hein. Attends, le sol est pas droit, j'ai l'impression. Ce sera très bien comme ça. Bon, peut-être pas autant au bord, parce que, bon, il va y avoir des chutes. Mais comme ça, c'est bien. Boum, c'est posé! Boum, c'est posé. Ah bah, c'est bien. Ça va nous permettre d'avoir, de décorer autour. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, longueur, on va mettre 1. Ah oui, d'accord. Enfin, j'ai pas mon mot à dire, quoi. C'est-à-dire que... on en est là, quoi. Non, non, tu partiras comme ça. Excuse-moi, mais... j'avoue que c'est ce que je veux, quoi. Aller avec bordure. Alignement sur clôture. La hauteur du bâtiment n'est pas bonne. On voit trop là. Comme ça. Ya ya, très bien, très bien. Très bien, très bien. Allez. Mais. Chut. Ça va aller. Voilà, comme ça. Très bien. Messieurs, dames, vous pouvez aller vous reposer. Oh, c'est fou, ça. Hein. Macaque et reine. Eh, je vous ajoute... je suis où, là? Macaque. Je vous ajoute ça. Ça, et puis ça aussi. Et puis ça aussi. Tiens. Ça vous fait du boulot. Et reine. Reine, j'ajoute ça. Allez-y, c'est bon. Vous pouvez vous poser. Une petite salle du personnel, là. Bon, pas plus de 4 pas plus de 4 à la fois. Hein. Pas plus de 4 à la fois, mais ça va aller. Ça va aller. Sinon, je les vire et j'en rembauche. Hein. Au moins, ils seront plus fatigués. Ils seront nouveaux. Tu voulais pas changer la route des employés, car celles-ci sont, sont pas ouf. Bah, en vrai, c'est enneigé, hein, donc...
En vrai, c'est enneigé, hein. Ah, ou alors tu mets juste un bout de route, genre comme ça, et après tu mets une déco. Enfin, une route genre en bois ou. Faudrait pas trop se reposer non plus. Ouais, écoute. Optimisation. Pas mal ça, on est bien. J'aime bien. J'aime bien. Fais voir du coup, au niveau impact négatif sur les visiteurs. Bon, il y a un peu d'impact négatif ici parce qu'il y a des déchets, hein. Mais sinon, les employés ne gênent pas. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est très très bien. Ici, on est good. Là, j'ajouterai quand même quelques rochers. C'est ce que je voulais faire à la base. Donc, je vais le faire le temps que j'y pense. Comme ça. Je sens que je vais m'embarquer dans un truc. Je vais m'embarquer dans un truc que j'ai pas envie. Je le sens. Je le sens et pourtant j'y vais. J'y vais. J'essaie de me convaincre de ne pas le faire et pourtant. Pourtant j'ai l'impression que je vais me laisser tenter quoi. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Écoute-toi. Et de nouveau, ils doivent se dire, il est arrivé un peu. Oui, un peu. Non, mais c'est vrai. Légèrement. Je voudrais faire ça, mais sans que j'ai à faire ça, en fait. Ça, je vais mettre du terrain. C'est l'enfer des zones de travail. Ouais. Les zones de travail, ouais. Imagine, tu mets un T-Rex dans le parc. Écoute. Absolument, tu peux, hein. S'il est bien dans son enclos. Juste lui prévenir qu'on n'a pas de chef, quoi. Voilà, c'est bien ça, c'est joli. C'est joli. Bon. Est-ce que je le fais? Oh, je sais pas si je le fais. Si je fais ça là. Ouais, c'est bon, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, on va pouvoir s'arrêter. On va savoir s'arrêter. Je mets pas plus. Chut, stop, chut, stop, on s'arrête. Pas plus, pas plus, pas plus. On va mettre un buisson machin. Genre comme ça. Comme ça, pas plus, chut, pas plus. Et comme ça, chut. Très bien. Très bien. À quoi ont servi les cailloux alors qu'on les voit pas? C'est une excellente remarque. C'est une excellente remarque. C'est juste qu'on sait qu'ils sont là. Et ça joue. Voilà, là on les voit. Très bien. Tes employés sont pas affectés aux zones de travail donc ils peuvent pas y aller. Ah, c'est vrai? Si, si. Eux, ils y sont. Eux, ils y sont. Bon, eux, non, mais. Rien. 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 Macaque. 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 Mais normalement, quand tu mets pas de zone de travail, il fait tout le zoo, non? Normalement. Non? Si. Non, je pense qu'ils étaient surtout buggés. Enfin, c'est surtout buggé. J'ai un problème avec la route, là, je pense. Là, il y a un problème, je vois pas pourquoi ils ont pas accès. Toi, inefficace. Efficacité inefficace. Est-ce que si je clique ici. Ah, c'est pareil en même temps, tu me diras. Hein. C'est pareil. Hein. Ils ont accès, les gens là, ou quoi? Pourquoi ça se fait qu'ils ont pas accès? Pourquoi ils auraient pas accès? T'as bien relié à la salle de travail du grand chalet. Ouais. Ah non, mais tout est mis, hein. Tout est mis, je comprends juste pas pourquoi. Tu vois, là, ça grimpote et tout. On n'a pas réussi à mettre la route ultra propre, mais c'est pas grave. C'est à l'intérieur, donc c'est pas gênant. Mais je comprends pas pourquoi ils y vont pas. Bah, de toute façon, on va faire un test.
Toi là, t'es au bout du rouleau, toi? Ah! En attente d'une salle du personnel. Allez, c'est positif. C'est une attente positive. Tiens, si je te mets là. Ah, donc il est parti direct, hein. Il n'a pas cherché deux secondes. Oh, je vais me poser. Je suis au bout du rouleau. Trouver un des enclos, ça veut dire, je pense. Non. C'est juste le temps que tu remettes en play. Et on va voir si lui arrive à sortir. On va check ça. Le bien-être de l'animal attire des manifestants. Ouais, c'est ça. Venez hurler à côté. Comme ça, il va être heureux. C'est la chose la plus intelligente que vous ayez fait. Je fais un boulot de rêve. J'ai le salaire que je mérite. Non, mais voilà qu'un cas d'honnête. Bah, tu mériterais presque d'être augmenté. C'est vrai. Ça fait trois ans. 3 ans qu'il est employé. 3 ans qu'il attend une salle de pause. Et pourtant, il continue de penser qu'il fait un boulot de rêve et qu'il mérite son salaire. Au pire, tu supprimes et tu remets. Je vais accélérer, surtout. On va voir s'il sort. Ouais, si tu sors, tu vas où? T'arrives à sortir de là. Hein? Et tu fais passer le mot. Les gars, j'ai trouvé la salle d'emploi. Si, elle est là. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Attends, il y a le feu. Quoi? Mais il y a un incendie! Mais ça a tout activé en fait. Ça vient de tout m'activer. Si, ça vient d'activer l'ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est possible ça? C'est possible ça? Trou noir. Dehors! Attends, je retrouve le gars. Ça a peut-être activé la pièce alors qu'elle l'était pas. Tu vois, ça c'est bizarre. Mais non. Ah bah non, c'est pas bizarre, pardon. C'est tout à fait normal. Tu sors par où là du coup? Tu sors pas à gauche là? Oh, tu vas être enfermé. Tu pars où là? Tu pars là? Oh, t'es parti. Bah non, t'es pas parti réparer. Hein. Attends, mais tu vas. Tu vas où là? Ah non, c'était cul-de-sac là-bas. Bon, je vais partir là-bas. Hein. Ah, là-bas, c'est cul-de-sac aussi, ici. Bah attends, je vais aller voir par là. Hein. Bon, ça confirme, ils n'ont pas accès. Ici, il y a un souci. Ici, il y a un souci. La route n'est pas, ne doit pas être liée. La route ne doit pas être liée. C'est juste tes groupes qui sont en panne. Appel de mécano et problème résolu. Ouais. Ya. Mais je sais pas pourquoi ici. Et là pour le coup. Là, pour le coup, ça a associé. Là, pour le coup, c'est pas moi... Si j'y arrive. C'est pas moi qui ai ajouté le petit cran de route. Où est-ce que c'est qu'il veut se mettre, lui? Bon, attends. Grandir la longueur. Non. Ah non, c'est pire. C'est pire. Non. Viens t'associer tout seul, là. C'est où? À quel endroit tu t'associes? Bon. Ouais. Pépère, c'est bon, tu peux sortir. Regarde, c'est fou. Fais demi-tour. Attends. Ah ouais. Attends. Oui, il est sorti. Oh oui, attends, vite en pause. Mec, il a pas traîné. Ah non, il est pas. Ah. Oh, Emmett, t'es augmenté, Emmett. Emmett. Ah, il a pris une pause en même temps. Il a couru, il s'est dit vite, je peux sauver les animaux. Emmett, t'es augmenté. Mais t'es déjà au max en fait, Emmett. Emmett, bravo en tout cas. Il peut enfin faire à manger pour les animaux. Ah, ça y est, tout va s'occuper. Enfin, tout va se régler. Tout va se régler. Normalement, on a largement assez d'employés pour tout, donc tout va se régler.
Attendez, c'est à l'intérieur. On est sauvé. C'était un petit souci. C'est un petit souci. Bon, du coup, on sait pas trop. Bah, tout le monde va aller en pause aussi. Forcément. Voilà, rien de ça, tout le monde prend sa pause. Tout le monde prend sa pause. Il a pris sa pause où, lui? Hein? Sors de l'habitat, ok. Je suis en train de faire le jeu. Comment? Boris Rock, non? Quoi? Première dans Planet Zoo. Ah, déjà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Les soucis d'espèces vont se régler. L'incendie va se couper. Regarde ça, Pépère, il est parti. Ah, il est au bout du rouleau aussi. Ah, faut que je le fasse, mais j'avoue que je suis pas en forme. Bah, n'hésite pas à prendre la salle du personnel. Hein. Attends, mais t'en as une là, là. Regarde, je te mets devant, regarde. Un animal s'est échappé. Mais non, mais... Oh, attends, vas-y, hé. Toi, tu vas venir ici. Ah, t'es pas dans... Attends, c'est où? T'es pas dans... Ah si, t'es dans Rennes, c'est bon, hein. Pas d'électricité. Ah bah, s'il n'y a pas d'électricité, ils peuvent pas se reposer. S'il n'y a pas de courant, ils peuvent pas se reposer. Ils peuvent pas ouvrir la porte. Ce serait surprenant, ça. Pas de cabane de soigneur accessible. Faut nettoyer l'habitat supprimé sans tarder. L'habitat supprimé? Non, comment ça non? Pas d'électricité. Panneau éducatif. Mal placé. Ouais, ouais, non, mais ça c'est tout à fait normal, c'est de la déco. Ça c'est de la déco, les gars. Hein. Faut savoir faire la diff aussi. Hein. Ah, parce qu'il n'y a pas de courant, ils peuvent pas se reposer. Alors attends, on va mettre vite fait du courant. Ça c'est, voilà, ça, c'est le côté, le jeu est bien fait, mais pas complètement. Pour l'instant, on va poser ça là. Au moins. Ils vont pouvoir aller en pause, etc. Se reposer, utiliser les bâtiments, faire tout ce qu'ils ont à faire. Ils sont où mes mécanos, là? Est-ce que c'est les mécanos? Toi, là. Viens là, avant de te faire voler ta place. Voilà, boum, directement dedans. Directement dedans. Voilà, et tout de suite il va travailler. Toi là, t'es au bout du rouleau, toi. Toi, t'es au bout du rouleau, toi. Tiens, viens là. Hop, ça rentre instantanément. Voilà, et tu répares, hein. Bien joué, ça. C'est quoi que t'as réparé en premier? C'est ridicule, ça, en vrai, cette logique. Attends, y a pas de courant. Bah, je peux pas m'asseoir sur le canapé. Ah bah non, je peux pas. Impossible. Y a pas d'électricité. Quand veux-tu que je m'assoie dans un canapé sans électricité? On voit dans paramètres économie dans le jeu, puis tu mets tout alimenté. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu. Non, mais là, ça devrait régler les soucis déjà. Là, si je supprime là, on est bon. Ah, tout est alimenté. Sauf tout ce qu'il y a là-bas. Ici, on n'a pas de courant. Ici, on n'a pas de courant. Mais pareil, parce que ça a pété. Il nous faut un mécano. Il nous faut un mécano. Randolph est mort. Il nous faut un mécano. Votre zone n'a pas d'agent. Le mécano. El mécano. Il est parti où? Il se déplace. Toi là. Se promène en plus, t'as pas honte. Excuse-moi de te le dire. T'as pas honte? Va de ce côté-là, papa. Viens là. Est-ce que naturellement tu vas aller travailler? Non, parce que t'es nul. T'es mauvais. Mécanicien en route. Ah, mais bah attends, mais... Fallait me dire, hein. Tiens, viens là. Tu les répares tous, là, du coup? Oui, c'est bien, Opal. Il en reste un, Opal, hein. Dis donc. Reviens, c'est bien, Opal. Ah, c'est Géraldine qui est venue cette fois-ci.
Cette salle du personnel est trop loin, le trajet va m'achever. Oui, bon, écoute, c'est vrai. Non, mais ici, il faut que j'ajoute une petite salle du personnel. Clairement, il faudrait que je trouve un moyen d'en ajouter une toute, toute, toute petite. Tu sais, à la limite, creuser un peu là, la caser ici pour amener la route là. Une toute, toute petite salle du personnel, comme ça. Après, ce coin-là, tu me diras, il va pas être non plus fou d'utiliser, quoi. C'est un canapé massant, sans ça, ils ne peuvent pas se reposer. Ah. Ah. Se reposer dans une salle dans le noir, au contraire, il devrait kiffer. Écoute, c'est toute la logique du jeu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Bon, c'est bon, hein, du coup, vous êtes occupé de tout? Oh, un bébé macaque, ils disent. On est good, là? Vas-y, je les rappelle tous, vous refaites un tour. Global, hein? Vous êtes très nombreux pour deux enclos. Donc, normalement... Leur macaque a l'air de souffrir de solitude. Ah bon? C'est pas vrai. Ah, j'en ai que 4, dis donc. Il en faut combien? Ils sont morts, bah non, mais tu m'étonnes. Je pensais que ça tournait, moi. Macaque. 8. Ah oui, d'accord. Ils sont un peu pas assez. Ils sont un peu pas assez. Oh, c'est une femelle en plus. Tous les mâles sont morts. Elle est avec ses 3 enfants. Mangeoire. Ah ouais, mais ils sont tous morts de faim, en fait. Non, je devrais pas rire. Macaque. On, attends, ils reviennent. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. On est reparti. On est reparti. Boum. Là, tout de suite, t'es heureux. Je les amène, il n'y a pas de quarantaine. Il n'y a pas de quarantaine, tout va bien. En plus, ça va amener les employés. Et ils vont peut-être, du coup, nettoyer un petit peu le coin. 5. J'en ai 8. Dont un en alerte qui est au bout du rouleau. Hiromi. Oh ben, il y a Ozuru aussi qui est au bout du rouleau. Appelez le vétérinaire. On appelle tout le monde encore. Venir faire un tour ici. Venir faire un tour. Rapport sur les espèces. Un renne? Quoi? Quoi? Hein? Ouais, non, c'est bugué. Non, c'est bugué. Non, mais c'est bugué. Ils m'ont pas mis un renne dans l'enclos quand même, les gars. Il est même pas là. Non, non, c'est bugué. Ouais, le jeu a des soucis. Le jeu sait pas trop ce qui se passe. Roy, 40 employés, un enclos, joueur pro, 20 employés. Non, mais après, le renne chez les maquettes. Non, mais je l'ai pas mis. Ah, oh, si, y a un renne. Bjorn! Bah, qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est celui qui avait perdu son duel. Attends, mais je te déplace, viens là. Non, mais en vrai, je vais plutôt te mettre en zone d'échange. Excuse-moi, Bjorn, mais t'avais perdu ton duel. Je te revends. T'avais perdu ton duel face au mal. Après, peut-être que t'aurais pu le remplacer, du coup. Il est peut-être mort, tu me diras. Il me reste quoi en l'espèce? Ah, ouais, non, il m'en reste 11 ici chez les rennes, ça va. Tout va bien chez les rennes. Après, le mal est mort, effectivement. Mais ça limite, du coup, les bébés. Ça limite du coup les bébés. Ok, très bien. Enfin! Enfin, quantité de détritus élevée. Où est-ce qu'il y a des détritus élevés? Ah oui. Oui, effectivement. Ici, il faut qu'on ajoute des... Ah, mais il y a plein de choses à faire en vrai. Ça tourne là? Il n'y a pas de soucis ici d'ailleurs? Non, il n'y a pas de soucis. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Des ours blancs, c'est une bonne idée. Non. Ouais, il y en aura, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Bon, on s'en est sorti. On a fini de décorer le tour ici. Hein, du coup, on a fini de décorer là aussi. Enfin, on a décoré là. Ouais, on a mis des cailloux, quoi. Ah, si, si, on a décoré. Si, si, on a décoré. On a décoré, tout va bien. On s'est occupé de cet enclos-là. On n'a plus rien à y faire globalement. Normalement, au niveau panneau d'infos, éducation, boîte à dons, tout est mis. Donc normalement, on est bien. Il faut qu'on finisse de poser les barrières sur les bords des routes, ici, tout simplement.
Et après, après, il faut décorer là, il faut décorer ici, il faut décorer tout le tour de ces grands enclos là. Il faut faire toute cette zone là, il faut poser les nouveaux enclos, bref. Il y a encore du boulot, il y a encore du boulot. La tête de loup, ouais, non mais la tête de loup, on verra où on la met. Mais faut voir. Attendez, d'ailleurs, ça me fait penser. C'était quoi C'était. Je vais vous montrer. C'était quoi l'iceberg? Qui c'est qui me parlait d'un iceberg qui avait été fait là? Qui pouvait être posé parce qu'on pouvait rentrer au milieu C'était qui? T'es encore là? Je sais plus qui c'était. Parce que l'iceberg, je le vois pas là en plus. Hein, donc. C'est vrai que si je le vois pas déjà, on est compliqué. Non? Igloo, 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 ouais, igloo, ouais, c'est ce que je voulais dire, ouais. Bah, il est où? Il est là, là? T'es sûr? Julien MND. Julien MND. Bah ouais, mais. Ah ouais, celui-là. Ah oui, d'accord. Bien vu. Ah oui, non, pardon. Ah. Ah, du coup, je l'ai. Alors, attendez. Ok. Alors, attendez. Ça peut effectivement être une idée intéressante pour la zone. Je vais regarder vite fait. Je vais regarder vite fait. Tac. Oh. Il y a beaucoup de cailloux. Il y a beaucoup de cailloux. Alors, fais voir. Du coup, on peut rentrer. Tac. Ah ouais, c'est pas mal. Full magasin. Oh, et en plus, il y a les tables qui sont mises. Full magasin. Ah, il y a les tables qui sont mises parce que t'es enregistré en enclos, non? C'est ça? Non? Bah non. En plan? C'est un plan? Non? Pas mal, pas mal, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Oh, là, par contre, il y a vraiment full caillou, quoi. Mais j'aime bien. Fais voir un petit peu sa taille par rapport à... Attends. Par rapport à la petite place. Il est un peu grand. Il est légèrement grand. Non, mais ça se pose, hein, je pense. Ça peut se poser. Oui, c'est un enclos. Ça peut se poser. En enlevant la route, ici. En enlevant l'eau. En enlevant bah, toute la route qui est là en dessous. Ça doit pouvoir s'associer. Ça doit pouvoir s'associer. Ça doit pouvoir s'associer. Non, mais très bien. Ok, parfait. Parfait, parfait. Ce sera probablement ça de poser, du coup. Mais ce sera la prochaine fois. Ce sera la prochaine fois, on va s'arrêter là. Merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. Écoutez, on est content, hein, on l'a avancé. Et bah voilà, après on avance à un rythme lent, mais en attendant, ce qu'on fait, c'est beau. Et c'est rempli. C'est fait en vrai. C'est ça qui est bien. Là, ici, on n'a plus besoin d'y revenir. C'est tout. Terminé. Cette zone est finie. On fait pareil ici, cette zone est terminée. Et après, on est content. Très bien, très bien. Merci YouTube. Bisous à Twitch aussi. Et on se retrouve prochainement YouTube. Ciao! À la prochaine pour la suite de cette aventure sur Planet Zoo. Et si vous voulez tous les replays en complet, hein, et pas en timelapse, c'est sur la chaîne Royal Viking Replay. Hein, tout simplement. Bisous, bonne journée. Et à la prochaine. Allez, ciao.